Hello! Nous sommes samedi. Il est un peu plus de 8h15. Je me suis levée vers 8h. Mes cheveux sont pas très propres. Mais en fait, je vais chez le coiffeur. Je vais y aller en transport, du coup, comme je vous avais dit. J'hésitais à y aller en voiture parce que, en fait, après, il faut que j'aille chercher des colis à la poste et tout. Parce qu'en fait, sinon, ça veut dire qu'il faut que je marche jusqu'au tram, que je prenne le tram, que j'aille chez le coiffeur, que je remarche jusqu'à chez moi, que je reprenne la voiture. Voyez-vous? En plus, ce mois-ci, on paye pas TCL, c'est les 2 mois d'été sont gratuits. Et après, je reprendrai pas l'abonnement, je pense. Je vais pas petit-déj ce matin, j'ai encore l'impression là d'avoir le bide complètement plein. Ça change pas. Petite nausée du matin, le bide plein. Au moins, bon, c'est pas pour maintenant. Hein. Mais le jour où je serai enceinte, vous inquiétez pas que les nausées matinales et les nausées toute la journée, je connais déjà. Hein. Mais vous excitez pas, hein, c'est pas pour tout de suite. Hein. Je me faisais juste une remarque comme ça. Et sinon, aujourd'hui, je pense que je vais pas vous vlogger beaucoup de la journée. Là, je vlog juste en fait parce qu'il y a le coiffeur. Mais la personne avec qui je pars en vacances arrive en début d'après-midi. Et donc, je ne vais pas la filmer. Je suis en train de penser, là, je suis en train de me mettre du blush, du bronzer. Mais est-ce que j'aurais pas oublié de mettre de la poudre? Sinon, regardez-moi ces highlighters de chez Too Faced. Je sais pas si vous allez vous rendre compte comme il n'y a pas de la lumière qui tape dessus. Mais ils sont trop beaux. L'autre coup, j'avais mis les ceux-là. Genre, waouh. Bon, mes cils, c'est pas ouf parce que mes mascaras sont presque tous vides. Je vais en emmener un neuf en vacances. Et en plus de ça, mon record de cils est trop nul. Donc, c'est le combo nul. Voilà. Allez, c'est parti, mon kiki. Bon, j'ai pas pris de solution hydroalcoolique. Opération, ne rien toucher. Il fait déjà bien chaud. Vous voyez la fille qui est en train de rater son tram? C'est moi. Mais il est trop loin là. Je ne peux pas. Le prochain est dans 10 minutes. Je vais sûrement arriver genre 5 minutes en retard. Ma vie quoi. Bon. Il est 9h. J'essaie de marcher vite, j'y suis dans 3 minutes. Ça y est, coiffeur c'est fait. On a fait des petits wavy, j'ai les cheveux tout doux. Et du coup j'étais chez Infinite Coiffure et c'est Rémi qui m'a coiffé. En tout cas, grave cool. Oh mon masque, il est un peu mouillé mon masque en plus. J'aime bien, ça change. Et là, du coup direction la maison, faut que j'aille à la poste, elle ferme à 12h30, ça va, j'ai encore le temps. Hop, je suis rentrée, go à la poste. Bon, je sais pas combien de temps mes petits wavy vont tenir parce que mes cheveux ils tiennent pas de ouf. Mais j'aime bien, mes cheveux sont tout doux. Il m'a fait un soin à Tokyo. Oh là là. Si doux, j'ai envie de trop toucher mes cheveux, mais après on va être sale. Pas touche, la mouche est morte. Il fait 27,5 chez moi. J'ai hâte de prendre la voiture pour avoir la clim. Bon, bien arrivé à la poste, mais il y a une queue de ouf. Je sens que ça va être sympa. Ça y est. J'ai récupéré mes colis, ils étaient lourds, c'était de la vaisselle, j'ai dû faire 2 allers-retours. Le mec, il arrive, je lui donne mon numéro de colis, il me dit vous êtes seul, vous êtes carré loin, vous êtes à pied. Parce que c'était de la vaisselle et c'est assez lourd. Je sais ce que c'est, je suis trop contente. On rentre à la maison, chaleur, chaleur, vive la clim. J'ai encore choisi le meilleur chemin, moi. C'est le marché. Ça me... Il y a encore des gens qui ne mettent pas de masque au milieu du marché alors que tout le monde est collé quoi, genre... Il faut absolument que je me motive pour faire mes valises et tout ça puisqu'on part à 4h du matin. J'ai pas très faim pour l'instant, je vais pas manger. Mais ouais, il faut que je range ma chambre et tout ça, mais j'ai trop chaud, déjà je vais aller me changer. Oula, vous êtes un peu manqués. Parce que avec ma jupe c'est bien cool, mais ma jupe elle m'arrive aux chevilles et j'ai trop chaud. Et je pense que je vais, pas m'attacher les cheveux, mais je vais mettre des petites barrettes. Parce que sinon je ne vais faire que toucher mes cheveux. Si elle veut bien tenir, bien sûr. Trop de chaleur, ça me met en off la chaleur.
Ou alors à faire comme ça pour être tranquille. Je sais pas du tout ce que je vais manger à midi. J'en ai aucune idée. En plus, il faut absolument que je filme des stories. Je voulais filmer des vidéos, mais je crois que ça va pas être possible. Je crois que je vais faire une petite sieste au lieu de faire ma valise tout de suite. Parce que je suis fatiguée et que vu qu'on va partir très tôt, ou tard, comme vous voulez, et ben voilà. Bon, je ferme les volets de ma chambre parce que sinon il va faire trop chaud. Sorry pour le bruit, j'ai lancé une machine. À la base je voulais la lancer cette nuit. Enfin la nuit là qui arrive, sauf que du coup vu l'heure à laquelle on part. Oups. Et ben je la lance maintenant. Ça séchera vite en plus avec vu qu'il fait chaud. Allez, hop. C'est le moment de faire une petite sieste. Petit ventilo. Et je vous dis à tout à l'heure. Devinez qui n'arrive pas à dormir. On va donc se faire des petites tartines beurre concoyotte. Bon, je viens de me réveiller de ma sieste. C'est difficile. J'espère que j'ai pas trop écrasé mes cheveux en dormant. Forcément qu'ils sont pas aussi bien quand on se tente chez le coiffeur, mais bon. Je vais aller teindre mon linge. Étendre, pas étendre. Ce qui est bien en étendant le linge, c'est quand tu rentres, il fait super frais. Par contre j'ai des nausées depuis avant que je me suis endormie. J'avais pris un cachet, je me dis t'inquiète ça va passer. Là j'ai repris un autre truc. J'espère que ça va passer parce que genre je me sens genre hyper mal. Ça se voit peut-être pas, mais c'est pas ouf à l'intérieur là. Vous la voyez ma motivation pour filmer cette story. Je crois que je filmerai demain. Je dois filmer pour le petit lunettier et publier demain autant que je publie direct quand je filme, non? Vous ne croyez pas? La vie qui cherche des excuses. Parce que j'ai trop la flemme. Alors qu'au final, ça prend 5 minutes. Hein. Faut juste j'aille chercher les lunettes. Quoi. Allez, je viens de tourner. Et j'ai un autre truc où il faut que je filme des petites stories. Est-ce que je le ferai pas maintenant aussi? Je sais plus c'est quand que je dois publier. Allez. J'ai filmé toutes les stories. Parce que je me dis que là, j'ai plus de temps qu'après je vais être en vacances. Donc autant profiter des vacances. Et au moins mes stories seront déjà filmées. Il n'y aura plus qu'à les mettre à publier, mettre les annotations, les hashtags et tout et tout. Donc voilà. J'ai bien sûr avancé 0, 0, 0 sur la valise et le rangement de ma chambre. Hein. Clairement, on est toujours au même point là. C'est voilà quoi. Voilà mes affaires que j'emmène en vacances. Non mais je ferai tout à l'heure, quand mon invité sera arrivé. D'ailleurs je vais bientôt vous laisser je pense pour ce vlog. De toute façon à part préparer ma valise là il ne restera pas grand chose à faire aujourd'hui. Si il faut que j'aille chercher un colis et mettre de l'essence. Et le colis c'est des jeux de société que j'avais commandé, que j'étais à commander depuis longtemps et je pense que je vais les emmener aux vacances, ça peut être cool. Pourquoi pas. Bon sinon mes cheveux se sont un petit peu raplatis par là surtout. Ils sont un peu tombés quoi. Et il y en a beaucoup qui ont pensé que j'avais fait une couleur. Bref, je vais vous laisser pour ce petit vlog. Je vous fais de très gros bisous. Et je vais essayer de vous filmer quelques petits trucs en vacances mais de profiter quand même. Donc voilà, bisous.